Comment simuler dans Fusion 360 dans le contexte de sa propre machine ou avec sa propre machine? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Bien évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut déjà avoir modélisé sa machine dans Fusion 360. Si vous avez utilisé Fusion 360 pour créer, pour concevoir votre propre machine, vous avez déjà ce qu'il faut. Simplement, selon ce que vous avez fait, comment vous avez procédé, il peut être utile de simplifier votre modèle. C'est-à-dire qu'éventuellement, vous faites une copie, vous faites un double de votre machine, et dans le double destiné à la simulation, vous supprimez les vis, les écrous, certains trous, etc. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous les détails. Ce qui nous intéresse, c'est la cinématique. Alors, deux choses importantes. La première, qui semble logique, il vous faut quatre composants. Ça ne peut fonctionner que si on a des composants. Pourquoi 4? Parce que je vais en avoir un pour ce qui est la base fixe de la machine, qu'on va voir ici et les autres grisés. Ça, c'est la base fixe, bouge pas. Ensuite de ça, j'ai l'axe. Alors non, pardon. J'ai l'axe Y qui est ma table, puisque c'est une configuration de machine 3018 qui ressemble très fort à une imprimante 3D. C'est-à-dire qu'on a en fait le. L'axe Y, c'est la table qui se déplace sur l'axe Y, alors que si on avait une machine à portique, qu'on trouve plus souvent, eh ben c'est le portique qui se déplace sur l'axe Y. Et la table est fixe. Donc ça, c'est pour l'axe Y. Pour l'axe X, on a le chariot qui va se déplacer donc en X. Et pour l'axe Z, on a notre broche sur la partie mobile qui va monter et descendre pour notre axe. Donc il vous faut quatre composants. A priori, c'est pas la peine d'en avoir plus. Bien sûr, vous pouvez avoir des composants qui sont des composés de composants, c'est pas un problème, mais quatre composants principaux. Ce qui, de toute façon, pour une machine 3 axes, est complètement. Ensuite de ça, ce qui peut surprendre, c'est qu'il n'est absolument pas nécessaire, je dirais même qu'il faut pas, faire de liaison en glissière, par exemple pour la table ou pour l'axe X. Il vous faut des composants, mais vous n'avez aucun besoin d'établir des assemblages avec des liaisons de mouvement. Il n'y a aucune liaison dans ce dessin, enfin dans cette conception-ci, il n'y a absolument aucune liaison. Vous pouvez regarder, il y en a pas. Ok. Alors maintenant qu'on a notre machine et qu'on l'a définie et qu'on a notre quatre composants, comment on fait pour que ça devienne quelque chose d'exploitable dans la simulation? Alors, on va ici dans Fabrication. Dans Fabrication, on va sur Constructeur Machine. Et dans Constructeur Machine, alors c'est ouvert. Donc, dans Constructeur Machine, je vais aller sélectionner une machine ou créer une machine si je ne l'ai pas encore. Donc, je vais cliquer sur Créer. La machine, c'est une machine de fraisage. Le distributeur, on va dire que c'est moi, même si c'est peut-être AliExpress ou Amazon. Et le modèle 3018. Générique 3 axes, ok. Je peux ajouter une photo pour plus facilement repérer quand je cherche dans mes différentes machines, si j'en ai pas mal, la machine que je souhaite. Alors par contre, je sais pas s'il y a de taille. Ok, ça passe. Alors c'est peut-être pas la meilleure photo possible, c'est ce que j'ai trouvé sur internet, il y a un peu du texte, mais bon, c'est pas bien grave. Donc fonctionnalité, puisqu'on a dit tout au départ que c'était une fraiseuse, il nous a sélectionné la petite icône pour le fraisage. On n'a pas de changement automatique. On va mettre une vitesse d'avance maximum, qui est donc la vitesse linéaire maximum qu'on peut atteindre sur nos axes. Et comme il le dit, c'est destiné à faire en sorte qu'on limite la casse 2000. Et la vitesse maximale de traitement des blocs, c'est donc la vitesse d'avance d'usinage maximum. Là, on va mettre ensuite la cinématique. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Notre machine. Là, on a ce qu'on a par défaut, on a quelque chose d'un peu curieux, parce qu'en fait, on devrait avoir la tête à la place de la table. Voilà. Donc ça serait ce qui correspondrait à peu près normalement à une machine à portique. Mais ce qu'on a là, ce n'est pas une machine à portique. Donc, on a notre axe et Z, voilà. Et le Y, on va le. Voilà. Donc, X, Z avec la tête, donc la broche, la fraiseuse, c'est normal. Et Y, j'ai la table qui est sur. Donc là, ça correspond à la cinématique de ma machine. Maintenant, si je reviens ici sur un axe, l'axe X, on va lui indiquer les dimensions, enfin, le mouvement maximum à avoir. Sachant que ma machine, telle qu'elle est dessinée, en fait, c'est tout à zéro, puisque tout est sans. Enfin, c'est tout à zéro.
Ouais, c'est centré, donc, mais c'est pas zéro des coordonnées, c'est zéro, c'est centré sur le dessin. Donc là, pour fusion, position d'origine, on va lui mettre moins 150. La vitesse d'avance rapide, alors là, on peut mettre les vitesses d'avance des axes, là encore, l'avance coupe maximale et l'avance rapide de l'axe. On peut répéter ça comme avantage qu'on sait pour le Z. On va garder une vitesse qu'on a mise. L'orientation, donc, c'est le long de l'axe X. La plage n'est pas illimitée. On va de moins 150 à 150, puisqu'on a 300 mm, vu que c'est une 30, donc 300 et 180. Donc là, on est bon a priori pour. Pour le Z, la position d'origine, on va lui dire, la vitesse rapide, on va lui dire, et la vitesse d'avant. Alors ça dépend des caractéristiques de la machine. Je n'ai pas 30-18, donc je fais ça comme ça, infométriquement. Mais si vous avez une machine, une 30-18, référez-vous aux données constructeurs et indiquez des données réelles. Donc là, le long de Z, on est d'accord. La plage est limitée, elle va de moins 15. Et pour Y, la position d'origine, elle va être à 100. La vitesse d'avance pour Z, j'ai pas voulu. On va mettre la même le long Y pour faire. On va lui dire OK. On va venir dessus. Hop. OK. Alors ensuite de ça, post-traitement. Donc on peut indiquer dans la machine le post-processeur qu'on. Et bah, l'avantage de faire ça, c'est qu'ensuite de ça, quand vous allez faire des usinages, du fait que vous sélectionnez votre machine pour votre simulation, vous avez déjà le post-processeur sélectionné et le dossier ou le répertoire dans lequel vous voulez que votre G-code aille se. Donc, je reviendrai par ailleurs, mais pas dans cette vidéo, je reviendrai par ailleurs sur le post-processeur pour la simulation. Parce que le post-processeur classique ne peut. Enfin, classique. Les post-processeurs, par exemple, si je prends GRBL, GRBL n'a pas le code, le post-processeur GRBL, pour m'expliquer, n'a pas le code nécessaire pour comprendre la simulation de fusion. Donc, si vous choisissez GRBL pour votre machine de simulation, ben, en fait, vous n'allez pas pouvoir simuler avec la machine. Donc, il faut modifier le post-processeur pour incorporer les instructions nécessaires pour la simulation. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo ou d'un article de blog ou des deux, je ne sais pas encore. Moi, je vais choisir ce que j'ai déjà fait, qui est donc GRBL, appelez ça, GRBL Simu, qui donc est modifié pour accepter la. Donc je sélectionne ça. L'avantage de enfin, que votre processeur soit compatible simulation, c'est que vous le sélectionnez pour la machine. Vous faites votre simulation, et ensuite de ça, vous pouvez générer le G-code. C'est le même post-processeur, donc le G-code va être fonctionnel. Sinon, il vous faut avoir un post-processeur pour la simulation et changer le post-processeur pour la génération du G-code. Ce qui n'est pas idéalement. Donc le dossier de sortie, j'ai un dossier quelque part qui est destiné à ça, trouver, G-code. Et c'est bon. J'ai pas d'autres choses particulières à faire ici dans la définition. Donc maintenant que j'ai défini, j'ai créé et défini la machine, je lui dis. Donc ensuite de ça, modifier la configuration de la machine, a priori c'est pas nécessaire puisque je viens de mettre ma SIC et tout ça. Si on va voir si ça, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, on peut revenir et modifier la définition. Donc ici, le déplacer les composants, non, j'ai aucune raison de déplacer. Par contre, configurer le modèle machine. Il faut que je lui dise qui fait quoi et où ça se passe. Donc la première chose, on va sélectionner l'endroit où qui s'attache à la broche de la machine. C'est-à-dire que dans la simulation, quand on fait nos chemins d'outils dans Fusion, on sélectionne les outils. Et là, on va lui dire que les outils s'accrochent au centre de. On pourrait choisir la partie haute ici. Ça dépend comment vous définissez votre longueur de. Tronçonner, c'est un endroit par défaut sur votre table. Donc là, on va prendre le. Sur lequel. Par défaut, la pièce à usiner va venir se positionner, sachant que dans la partie des chemins d'outils, on peut positionner la pièce sur la table. Alors, maintenant, X, qu'est-ce que c'est que X? X, c'est mon composant axe X. C'est plus simple, on s'y retrouve. Z, on sélectionne Z, et c'est l'axe Z, faisant Z est ici. Et pour la table, et donc l'axe Y, un axe Y qui est ici. Et on fait OK. Maintenant, on va venir vérifier que les mouvements qu'on a indiqués pour notre soient corrects. Alors déjà, par défaut, on est plutôt pas mal. On peut considérer que l'outil, il n'y en a pas ici, mais il est à peu près correctement sur le rectangle que j'ai mis sur la table mobile ici. Il correspond exactement à 180 par 300.
ou 300%. Donc là, on peut voir qu'on est plutôt pas mal aligné. J'ai pas mitigé, j'ai pas douté. Ça a l'air pas mal. Et dans le sens I, c'est-à-dire en X, c'est pas mal, on est sur le bord aussi. Alors maintenant, si je me déplace et que je vais plutôt bien en Z, ça se déplace dans le bon sens, ça va bien. Et en Y, ça va bien. Si je regarde dans ce sens-là, je suis plutôt pas mal aligné. Donc les mouvements tels qu'ils sont définis correspondent bien. La cinématique de la machine semble tout à fait correcte. Donc maintenant, on peut fermer ça et on va lui dire ici terminer. Ce qui veut dire qu'il va enregistrer notre machine dans la librairie ou dans la bibliothèque des machines. On lui fait oui. Super. Son temps, il a terminé. Tout va bien. Donc maintenant, on va partir sur une pièce que j'ai déjà définie. La machine. Donc là, je vais modifier. Je vais imprimer la machine. Voilà. Donc là encore, la vidéo n'est. Le but de la vidéo n'est pas d'apprendre la programmation. Ça, c'est une pièce de démonstration qu'on trouve dans les exemples donnés par. Sur laquelle j'ai donc fait. Il y a déjà eu et je ferai à nouveau des vidéos sur la programmation d'outils, mais là, c'est pas le but. Simplement, on a défini notre point logiquement en haut du brut. On a nos chemins de générés. Et là, si je veux faire la modélisation, là, pardon, là, je peux faire une simulation, c'est dire classique, comme on le fait d'habitude dans Fusion. Donc, je viens modifier ce setup et je sélectionne une. Et dans ma librairie des machines, je sélectionne la machine que je viens de faire. Vous pouvez voir qu'il me dit qu'il y a un post-processeur et que j'ai un petit cube 3D qui symbolise le fait que cette machine est utilisable en simulation. Ça vous dit quand on souris dessus. Ça nous dit que cette machine est prête pour la simulation. Donc le post-processeur correspond et peut être utilisé pour la simulation. Donc je sélectionne. OK, le récent. OK. Donc là, OK. Et quand je reviens, enfin quand il a fini, il incorpore la machine dans la simulation. Et maintenant, si je reviens sur mon menu déroulant ici de ma préparation, je vois que j'ai simulé, classique, et là j'ai simulé avec une machine, puisque maintenant il y a une machine, et on va pouvoir visualiser notre simulation, notre usinage, dans le contexte de la machine. Donc on va lui dire si. Et alors il nous prévient que pour l'instant, c'est marqué pour le moment. Donc ils savent et ça va se faire dans le futur. Que donc pour l'instant, la simulation avec machine ne prévient pas des collisions avec la machine. C'est-à-dire que on a les collisions normales entre lui et éventuellement un bridage si on en avait mis des choses de ce type-là, mais on n'a pas de collision pour l'instant entre la machine et l'usinage. Donc il faut le savoir, il faut regarder convenablement. Bon, sur une machine trois axes, sur une pièce de ce type-là, a priori, il y a problème, mais bon, il faut quand même avoir l'œil et bien vérifier que la simulation est correcte. Alors ici, on a affiché point de vue, on a plusieurs possibilités de choix. Enfin, ce qui me semble le plus logique, c'est la base de la machine, c'est-à-dire que la base de la machine va rester fixe et c'est le reste qui va. Et c'est la pièce, enfin le plateau qui va bouger, etc. Sinon, on peut faire en sorte que ce soit l'outil qui soit immobile et la pièce qui bouge par rapport. Et sinon, que ce soit le modèle qui soit fixe et la pièce qui. L'outil qui bouge par rapport au modèle. Mais là, on a simulé la machine, la base de la machine. Et si je démarre ma simulation, je vois que j'ai ce fait dans le contexte avec la machine. On voit les mouvements. Alors là, c'est assez comme on veut, mais ça donne une idée assez réaliste de ce qui va se passer lorsque je vais vouloir usiner cette pièce sur ma machine un temps. Et voilà, l'usinage terminé avec, comme c'est le cas d'habitude, des couleurs différentes pour chacune des opérations qui ont été effectuées. Si je zoome un max, on peut voir que mon cône est quand même très très lisse. Il y a des petites vaguelettes parce que c'est une fraise émérique qui est utile, mais elles sont très rapprochées. Et on obtient quelque chose d'assez. Bien sûr, c'est facile tant qu'on est en simulation. Dans la réalité, il peut y avoir des petits schmilblics à droite à gauche. Mais le fait de pouvoir simuler sur sa machine, ça peut permettre justement de se rendre compte des petits schmilblics comme je. Alors une chose, je veux en profiter avant de terminer, c'est que maintenant vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre de la communauté. Parmi les avantages dont vous bénéficiez si vous devenez membre de la chaîne, vous avez la possibilité d'avoir les fichiers
dont je me sers pour faire les vides. Donc, dans ce cas particulier, le fichier de la 3010. Le fichier de la pièce usinée, bien sûr, mais j'en ai pas parlé, j'ai pas expliqué, donc c'est utile. Mais avec le fichier de la 3018, vous pouvez faire comme je l'ai fait et ajouter cette machine à votre collection de machines dans Fusion 360 pour pouvoir l'utiliser dans des sims. Voilà, merci beaucoup de votre soutien, de vos j'aime que vous mettez, des pouces en haut, des pouces en bas, mais quand on met des pouces en bas, j'aimerais bien qu'on mette pourquoi, parce qu'on entend, mais je sais pas pourquoi. Ça me gêne pas qu'il y ait des pouces en bas, c'est normal, on n'est pas obligé d'apprécier. C'est une bonne idée de dire pourquoi, de en tenir compte pour de futur. Voilà, merci, à bientôt.